Je m'appelle Daniela Delio, je fais la vigneronne. Je suis Michel Charbonnier, c'est la quatrième année que je gère l'alpage. Je suis Arnela Pepelar, je suis née et j'ai grandi en Bosnie-Herzégovine. Je suis Luciano Seghesio, je m'occupe surtout de mise en place d'exposition. Je suis Andrea Di Renzo, je suis éducateur et je suis rappeur aussi. Je m'appelle Bruno Bassano, je suis le vétérinaire du Parc national du Grand Paradis. On est au fort de Bar. Dans les temps anciens, le fort était une vieille forteresse militaire en défense de la vallée. Maintenant, après une grande restructuration, il est devenu un pôle muséal très important, très connu au nord de l'Italie. Dans les salles, on va mettre en place une exposition des artisans de l'artisanat de tradition de la Vallée d'Aoste. Je suis Luciano Seghesio. Il y a 30 ans que je travaille dans le graphisme avant et il y a une dizaine d'années que je m'occupe surtout de mise en place d'expositions. D'expositions dans ce cas d'artisanat typique, mais en général d'expositions dans tous les secteurs. Sto mettendo questi spessori per attaccarli poi a pareti. Sono per mettere su questi disegni, queste foto degli oggetti esposti. C'est une mise en place un peu particulière. Cette année, pour le Covid, la Vallée d'Aoste, pendant l'été, n'a pas fait la traditionnelle exposition concours. Cette année, on a fait l'exposition tout à travers le web. C'est pour ça que cette exposition permettra à les personnes de voir tous les objets primés. Je cherche de faire la composition comme l'a fait l'artisan pour être le plus semblable possible. Et je regarde la photo pour chercher de mettre dans la même façon les pièces. Ici, on a un poulet. Voilà la cornaille. Ici on a un tata, que c'est toujours un jeu. Ici on a le soulier en bois, que sont les sabots. No, dall'altro. Sì. Adesso vabbè, le luci tanto è spente, poi si potrebbe puntare quella lì. Questa volta abbiamo avuto la fortuna di essere ospitati in sale, secondo me, le più belle qui al Forte. E questo permette di mettere molto in valore l'oggetto e soprattutto l'oggetto di tradizione, l'oggetto in legno, anche se fatto con diverse essenze, perché le pareti così grigio scure mettono in evidenza in maniera estetica, in maniera molto bella l'oggetto. Quello che noi abbiamo fatto è soltanto di utilizzare le pareti con delle grafiche molto semplici, opere bianche e nere, soprattutto che non siano troppo, cioè se metto due galletti non ne metto di più. Certo.
e metto, adesso posizionavo tutte queste negli spazi dove ci saranno un po' più pareti scoperte e poi cominciamo a piazzarle. La chose plus particulière dans cette mise en place, c'est le fait de mettre en valeur aussi tous les autres artisans qui n'ont été pas primés avec des photos qui seront placées comme scénographie dans les murs. La lumière, disons que c'est un métier encore à part, parce que la lumière, c'est à la base de ce travail. On ne peut pas penser à faire une mise en place sans lumière. Disons que la lumière est l'interaction parfaite avec la mise en place et doit être pris en considération dès le commencement du projet. Tu dois penser à l'objet, comment il doit être illuminé, avec quelle lumière, et s'il doit être une lumière directe, indirecte, si tu veux une ambiance très sombre, mais l'objet très illuminé. C'est une chose, c'est le projet dans le projet.